de 17 médecins des urgences du centre hospitalier de Cayenne. Un ultime appel au secours, lancé voilà 6 jours. 6 jours, et toujours aucune réunion avec la direction de l'hôpital. Nous sommes 17. 17 à avoir fait un acte individuel, un acte fort, où chacun a dit, moi, dans ces conditions-là, à partir du moment où on ne peut pas prendre en charge dans les meilleures conditions la population, eh bien oui, on ne peut plus travailler comme ça. On a lancé des alertes, on a dit, les gens partent, il faut arrêter l'hémorragie à bas bruit, il faut arrêter que les gens partent les uns après les autres, on va faire un coup, on démissionne tous, parce que sans ça, on va démissionner encore une fois les uns après les autres, s'épuisant, les plus fragiles d'abord, et là, c'est plus possible. Il faut des médecins pour soigner les gens. Une démission collective et pour chacun, une décision individuelle difficile à prendre. Mais pour eux, pas d'autre choix pour dénoncer une situation qui dure depuis des années. Actuellement, sur le planning du mois de mai, alors qu'on est 23-25 sur le planning, on est à plus de 50 heures par semaine en moyenne sur le mois. À 15 au mois d'août, c'est même plus la peine de travailler. On ne pourra plus rien faire. J'ai acheté une maison. J'ai fait ma vie ici et effectivement, le fait de donner sa démission dans ce contexte-là, c'est pas évident, ça comporte beaucoup de risques. On avait déjà alerté à plusieurs reprises auparavant, on n'a pas eu l'impression d'être écouté. C'était la dernière solution. Des médecins nous donnant rendez-vous en civil devant la boulangerie, située à quelques mètres de l'hôpital. Situation incroyable. Des médecins en Guyane pour certains depuis près de 20 ans, n'osant pas s'exprimer dans l'enceinte du centre hospitalier. Et la direction qui ne nous autorise pas à filmer aux urgences, qui ne nous accorde pas d'interview, nous renvoyons à demain. Et toujours le même argument pour justifier cette pénurie de médecins. La directrice le rappelait sur notre antenne, le problème de recrutement. Ce n'est pas un problème de finances, les postes nous les avons, c'est un problème de recrutement médical. Plusieurs fois, nous avons alerté sur nos difficultés à recruter. C'est vrai pour les urgentistes, c'est vrai dans les centres de santé, c'est vrai dans d'autres spécialités. Il faut que l'on trouve des médecins pour venir. Des postes, mais pas de médecins, dit la direction. Alors pourquoi en un an, 11 titulaires ont démissionné? Pourquoi 4 d'entre eux sont partis exercer leur métier d'urgentiste, pas très loin, à l'hôpital de Corot? Les 17 médecins démissionnaires en appellent aujourd'hui au Conseil de l'Ordre pour une médiation avec leur direction. Suivez l'info sur Guyane la Première.